Recherche d'autres joueurs, oui, si tu pouvais rechercher une connexion et des serveurs aussi, Kevin. Pardon. Je suis désolé, c'est indigne ce que je suis en train de faire. La différence, c'est que là, j'ai la certitude de mes convictions, j'ai les performances dans les doigts. Je vais franchir le mur du son sans me poser de questions. Quoi, 19h37, allez. Alors on va se faire un petit stream de 2h ce soir, on est à combien là? Allez, on se fait encore une bonne demi-heure. On se fait encore une bonne demi-heure. Let's go. Allez. C'est la troisième porte. C'est la troisième porte qui s'ouvre, je le sais. Je le sens dans mon être. Voilà. Vous voyez ça? Ça, c'est la conscience. Je suis la porte et la porte est moi. Pourquoi j'ai douté? Pourquoi j'ai douté de la conscience? Je savais que les midi-chloriens passaient dans cette porte pourtant. Je le sentais. Et je sens cette porte-là. Oui, voilà. Là, ça y est. Je suis en symbiose. Je suis en symbiose avec le jeu. Regardez. Je connais les portes. Aino Kung Fu. Aino Kung Fu, ça veut dire je connais les portes en anglais. Hein. Vous n'êtes peut-être pas parfaitement bilingue comme moi, mais du coup, voilà. Mais si! Mais elle ne s'est pas ouverte. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste que les éléments sont avec moi. Voilà. J'étais dedans. Là, j'étais dans la zone. Là, vous voyez, le feu magique court en moi. Je suis virtuellement invincible. Top 45. Top 45. Top 45. Non, là, je ne vais plus avoir de câble pour le casque. Est-ce que j'ai de la musique pour me pump up sur ce stream deck? Un truc qui me donne vraiment envie de me dépasser, là. Qu'est-ce que j'ai Non, pas les Vanga Boys. Les Vanga Boys, c'est trop sous-entendu. Attendez, on va essayer une musique pour chauffer. On va essayer ça. Non. Ok, là c'est le drame. Non, ça va. Ça marche pas mal, hein. Je crois que j'ai pas mis toute la chanson par contre. Ah si, je l'ai laissé en entier. Quel bon choix. Non! Je n'apprends jamais. Je fais tout le temps la même connerie, c'est quand même dingue. Mais non, fous-moi la paix. Parfait. Aucun souci. C'est le pouvoir du mangeur de serpents. Ah oui, j'adore cette chanson. Ça fait partie de mes BO de jeux préférés. Et ça fait partie d'une collection, en fait, qui est la collection des BO de jeux que j'aime beaucoup, alors que je ne suis jamais arrivé à jouer au jeu. À côté de laquelle, dans le très haut de cet échelon, il y a Simple and Clean de Kingdom Hearts, qui est une de mes BO préférées, et je n'aime pas spécialement Kingdom Hearts. Alors que Simple and Clean, je trouve, est un morceau quasiment parfait. Oh là là, à propos d'eux et de casser, tiens. C'est marrant, j'ai une histoire à te raconter. Ton jeu me casse les couilles. Est-ce que j'aurais la piste disco de Stanley's Parable? C'est une idée, ça. C'est l'inilo original. Non, foutez-moi la tête. Non, toi, tu... Lâche ça. Voilà. Non, c'est quoi? Non. Toi, tu viens dans le camp des jaunes avec moi. Viens. Viens dans le camp des jaunes avec moi. Non. Viens dans le camp des jaunes avec moi.
Tu es mon ami, reste avec moi. Oh là là. Ok, BJ, BJ LP, viens. Viens, je vais te montrer la vie. Voilà, tu sais quoi, accompagne-moi. Non, accompagne-moi. Copain! Copain! Bon, bah, si c'est pas copain, je prends cet œuf. Ah, maintenant t'as envie de devenir mon ami, subitement, hein. Maintenant, subitement, t'as envie qu'on soit potes. Maintenant, subitement, t'as envie qu'on aille à la plage ensemble, hein, et qu'on aille découvrir la vie et les vaches. Eh ben non, c'est trop tard, tu as eu ta chance. Je voulais t'offrir le monde. Je voulais qu'on chante Rêve Bleu ensemble, les yeux dans les yeux, ou éventuellement une autre partie de notre anatomie les uns avec les autres. Hein, moi, je suis pas non plus... Je suis pas non plus resté fixé sur cette histoire d'œil, tu sais, je peux aussi... Si jamais tu as envie de regarder, je sais... Encore une fois, je sais que mon corps, voilà, c'est... Enfin, mon corps, c'est un peu un parc d'attractions, si tu veux. Il y en a pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes. Non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, non. Non, je ne suis pas YouTuber, Kevin, non. Attention, non, c'est pas, parce que là... Mais vous salissez tout, c'est dégueulasse. Ah, on est en train de perdre. Faudrait peut-être que j'aille m'occuper de faire autre chose. Peut-être que visualisant que ma stratégie ne fonctionne pas, j'aurais dû l'abandonner. Mais est-ce que ça aurait pas été un aveu d'échec? Alors que là, je vais pouvoir rapporter un œuf à mon équipe. Parce que là, pendant que je fais ça, bah oui, ils font rien d'autre. Et nous, on gagne. Non, on gagne pas du tout, on est en train de perdre. On est en train de perdre sévèrement, même. Pourquoi on est tous en train de monter du côté où le mec défend, plutôt que de monter de l'autre côté? Et pourquoi je n'arrive pas à monter? Fous-moi la paix. Là, on va perdre, hein. On va perdre comme il faut. Bien, bon bah... C'est pas grave. C'est pas grave, on s'est quand même bien amusé. I hurt myself today to see if I still feel. I focus. Ok, ensuite. Bon. C'est pas grave, on a gagné le level 6, on débloque le costume de pigeon. Tout n'est pas tout noir. Tout n'est pas tout triste. Tout va bien. On continue. On ne s'arrête pas en si bon chemin. C'est toujours les épreuves par équipe. Vous notez que la défaite, elle est rarement individuelle. Elle est souvent collective. France 90. Pardon. Non. Donc... Ah. Ok, très bien. Évite les portes qui s'ouvrent et se ferment. Au cas où si tu pensais qu'elles ne faisaient que s'ouvrir, je sais pas. Parce que si les portes faisaient que s'ouvrir, cette épreuve-là serait relativement simple quand même. Bon. Ça se joue en combien ça? 39 qualifiés? Bon. Faudrait que je retienne le pattern d'ouverture des portes à l'entrée directe en fait. Celle-là, facile, on prend celle sur le côté, oui, on va en prendre une des deux au milieu, non, j'aurais pas dû essayer tout de suite, j'aurais dû attendre un petit peu, c'est pas grave, bon là, de toute façon, c'est facile, y a pas vraiment de mauvaise réponse, si, la mauvaise réponse, c'était d'attendre, ok, autant pour moi, la mauvaise réponse, c'était d'attendre, soit, ici, ça se tente, oui, ça se tente, très bien. Pas de soucis. Pas de soucis. Chèche. Toujours rester calme face à l'adversité et face à la recrudescence. 39 qualifiés. Oui, non, mais voilà. Quoi. Qui on a de beau? On a encore Patrick Balkany. Patrick Balkany me stream snipe totalement. Hein. Patrick Balkany est toujours là dans les parties. Je comprends. Je comprends que ce mec-là, là, il ait du temps à perdre. Décider de se développer un petit skill, j'entends. Mais ça ne me plaît pas. Rends l'argent, Patrick. Bon. L'épreuve des rouleaux. Un peu comme l'épreuve... Éliminer 0 sur moins 1. Ah, tu veux 16 éliminés sur les rouleaux? It's gonna start to smell. It's gonna smell. Ah oui, il y en a un qui a décidé de sauter direct en fait, d'accord. J'admire son dévouement parce qu'il y a un vrai côté. Cette épreuve, moi j'ai pas envie de la faire.
Donc je saute. Salut. Bisous, je m'envole. Je le respecte. Je respecte énormément les gens qui ont les moyens de leurs convictions. Ah oui, non, mais on va passer là-dedans, parce que là-dedans, on est safe 2 minutes. Voilà. Et là, on va attendre un petit peu. 7 sur 16. 7 sur 16, la célèbre émission animée par Anne Sinclair. Hein. Vous vous souvenez quand vous étiez jeune, ça passait le dimanche. Interview politique et tout. Non, c'est vachement bien. Alors. Je me demande ce qu'il est devenu, Anne Sinclair. J'espère qu'il lui a rien réduit. Hein. Alors. Hop. Bon, éliminer 10 sur 16. Tous les espoirs sont permis. 11 sur 16. Donc on a rencontré le rouleau de la partie, hein, celui qui va bumper dans tout le monde. 13. Allez, on y croit. On y croit, cette fois on y va pour gagner. Ok. Go. Go, c'est maintenant qu'il faut commencer à traverser. 15 sur... Ouais, nickel. Tout va bien. Tout va bien. Là, je vous cacherai pas que sur la fin, je commençais à avoir les mains un peu moites. J'étais en train de remettre en question ma stratégie de... Mon game plan, vous voyez, était un peu en train d'être mis en question. Mais bon, le gameplay était safe. Le gameplay était sûr. Le gameplay était solide comme un slip de catcheur brésilien. Moins vous y réfléchissez, plus ça fait de sens. Non, aucun souci. Club des Sceaux, ça va. Club des Sceaux, on me connaît, quoi. Club des Sceaux, on est dedans, on le connaît comme si on l'avait chié, on l'a fait 40 fois cette épreuve. Je me suis jamais fait éliminer une seule fois de cette épreuve. Les pires games. Non mais foutez-moi la paix. Toi là, Imra Omega Beast, je sens déjà que tu vas être le chien de service. Tu t'agrippes à tout le monde. Toi, je sens que tu dois être super fun en soirée. Non, mais foutez-moi tous la paix. Voilà. Vous savez quoi? Faites-vous tous éliminer. Plus ou moins ce qui vient de se passer d'ailleurs. Ok. Qualifié! Mais si, qualifié. Si, à cause d'un grave. Non, j'ai jamais été éliminé de cette épreuve, c'est faux. Salut Maisy! Bonjour. Et même si j'avais été éliminé une fois de cette épreuve, il n'y aurait aucune preuve quelque part. Donc, bref, voilà. C'est votre parole contre la mienne, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, on peut jouer longtemps en Starry. Je dis pas que je vous fais pas confiance, mais bon, objectivement. Ah! Bah voilà, on y arrive. Alors cette épreuve, elle me joue des tours ces derniers temps. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai cru que j'avais développé une stratégie sur celle-là. J'étais chaud. Je me voyais déjà rentrer dans le club de striptease et de foutre les billets de 500 dans le string des danseuses. Qui sont sans doute des travailleuses indépendantes, qui sont extrêmement artistiques. Hein, bon, je respecte entièrement. C'est par ici. Voilà. C'est par ici, mais il y a un chemin par là aussi. On pourrait peut-être en savoir plus sur ce chemin par là. Est-ce qu'il monte pas? Non, d'accord. Ce chemin par là est une arnaque. Très bien. Ah! J'ai voulu tenter une stratégie alternative. Elle ne fonctionnera pas. Mais au final, on s'est quand même bien amusé. Alors. Non! Ok, je pense que je viens de perdre la partie sur cette chute malencontreuse. Parce qu'avec 7 qualifiés, ça va aller très très vite une fois que la fin sera trouvée. Non, tout va bien, on a encore de chance. C'est bon, c'est par là. Non! Quel con. Faute.
Faute. Faute. Faute de ma part. J'ai manqué de lucidité. J'ai clairement manqué de lucidité. J'ai lâché la sauce beaucoup trop tôt. J'y ai cru. J'ai cru à ma propre hype. Et ça, c'est une leçon, vous voyez. J'ai cru à ma propre hype et ça s'est mal terminé. Et en plus, j'ai même pas quitté la partie, donc on est obligé de se taper ce truc-là. Vous savez quoi, j'en ai rien à foutre, je shoutcast. Je shoutcast cette finale. Qui on a? Ah bah tiens, on a Omega Beat, hein, qu'on va appeler Lourdo. Dunku, Chronos, Frix, Vex, et G-Man. Ok, donc Patrick Balkany est éliminé aussi. Qui a la bonne technique sur cette épreuve? Parce qu'il y a deux écoles. Il y a les gens qui courent comme des abrutis de l'espace, comme notre ami Omega Beast ici présent. Et on a ce que je vais appeler les poissauteurs. Est-ce qu'on a un poissauteur dans la salle? Non, ils ont tous décidé de courir. Si, on en a un. C'est lui. Le poissauteur, c'est une technique légitime, mais qui a ses limites. La limite, c'est quand quelqu'un t'efface les plateformes d'en dessous des genoux. Ou quand tu te plantes sur un saut malencontreusement. Et que tu ne regardes pas forcément ce qui se passe en dessous de toi, parce que tu n'as pas forcément la bonne idée de mettre la caméra comme ça, par exemple. Ce qui indique que tu vas te retrouver, voilà, à sauter 3 étages en une fois. Et comme le chantait, encore et toujours, Céline Dion, les derniers sont les premiers. On en revient toujours là. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un sur le niveau jaune en haut? Non, hein, il n'y a plus que du niveau bleu qui traîne. Regardons ce magnifique costume. Regardons ce magnifique saut du 28e étage qui se termine mal. Pour l'instant, Omega Beast. Hein, faites que Omega Beast ne gagne pas, je vous en supplie. Ah non, je ne veux pas d'un e-sport pro player. Je veux pas que Fall Guys devienne comme tous ces jeux multi, où dans 2 semaines, il y aura une méta, des mecs qui surévalueront chaque truc, et tu pourras plus faire une partie en casual sans terminer 59e, parce que tu seras entouré de joueurs qui auront vu à vierge, quoi. Qui auront cru que c'est arrivé. Et ça m'emmerderait. Je ne veux personne qui ait des tags et qui gagne un jour une partie dans ce jeu. C'est mon objectif. C'est ma seule volonté. Alors que nous avons déjà le premier éliminé, j'ai l'impression que tout le monde est plus ou moins déjà là. Voilà, ça c'est bien, c'est ce qu'on veut. Excellente nouvelle. Tout va bien. C'est Dunku qui a gagné. Et Dunku, il a un slip et une jambe de bois. Et ça nous annonce plutôt de bonnes nouvelles pour les générations futures. Bien. Niveau 6, bon... Je ne suis pas fier de ce qui vient de se passer. J'ai manqué de lucidité. Tel moi-même, ça ne se reproduira pas. Ah. Bon. Ce qui me rappelle que fin de cette semaine ou dans 2 semaines, hein, selon quand elles arrivent, mais je vais faire une signale. Je vais changer de lunettes pour la première fois en quelques années. Mais vous êtes chiants! Pourquoi vous vous agrippez à moi? Pourquoi casser les couilles des gens comme ça? Hein? Qu'est-ce qui vous a rendu malheureux dans votre jeunesse pour que c'est la seule chose qui vous provoque encore un début d'érection? Expliquez-moi. Moi, je suis prêt à entendre ce genre d'argument. Je suis vraiment prêt à rentrer dans une phase de négociation avec vous pour entendre ce genre de choses. Mais j'ai juste envie d'avoir une explication. Juste, oui, c'est juste parce que voilà, ma vie c'est de la merde et je n'accepte pas que les autres personnes soient heureux. Donc si jamais ma vie c'est de la merde, la tienne ça doit être de la merde aussi, donc tu ne peux pas gagner, donc voilà. Si vous me dites ça, moi je suis prêt à accepter. Je suis prêt à comprendre, moi. Je ne suis pas un animal. Animal qui me semble être très bien placé dans la tier liste de Sinaël des albums de Pink Floyd. Mais je ne suis pas un animal. Je suis un homme, et un homme libre. Non, attendez, je confonds des trucs, là. Bref. Mais il faut me l'expliquer, juste, moi, il faut me dire... Non, mais Aeltan, moi, ma vie, c'est de la merde, et du coup, la vie des autres, ça doit être de la merde, et puis voilà. Et si on m'explique ça, bah moi, je comprends, je sais que, voilà, je sais que vous êtes ce qu'on appelle des gens fun en soirée, hein, comme on appelle ça, que votre vie est d'une tristesse paroxystique,
et que, et ben voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. On va essayer par là. Est-ce que c'est un bon choix? Alors, ça aurait été un bon choix si j'avais été un peu plus réactif. Non! Ok, là, ça commence à sentir quand même gravement de l'entrejambe. L'odeur de pénis frelaté est totalement présente. Ah putain, et j'ai fait le mauvais choix, là. Ok. Là, ça pue vraiment, en fait. Là, je sais pas si on s'en tire de celle-là. On va essayer de s'en tirer, hein, mais je sais pas si on s'en tire de celle-là. Si vous vous mettez pas par ici, on n'y arrivera jamais. Vous avez le choix, hein. Non, 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 on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas de peu, mais on n'y arrivera pas. 32, 33... Non, c'est foutu. C'est foutu. Salut Carpath, bonjour à toi. Ah. Erreur. On recommence. Là j'ai fait des mauvais choix et j'ai fait des conneries en fait. C'est pas grave, c'est la première fois qu'on se fait éliminer au premier tour je crois. Alors que je viens de voir que le débit vient de passer en jaune sur le stream. J'espère que vous n'avez pas eu de drop de frame. Est-ce que la fibre optique de Frit est en train de faire de la merde? Ah oui, on a perdu 141 images depuis le début du stream. Fuck me with a broomstick. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle merde? Bon, c'est pas très grave, hein, 141 images, mais bon. Et oui, si proche et pourtant si loin. Bordel. C'est vrai. C'est vrai que Leslie a fait le bon choix. Et on la salue d'ailleurs, puisque je sais qu'elle nous écoute. Savez-vous qu'on est le stream numéro 1 sur les chanteurs français qui passaient sur Europe 2 à l'époque où leur slogan était gravement groove? On a les Dubians qui nous écoutent. On a Réciproque qui est régulièrement sur le stream aussi. Voilà, nous on a choisi notre secteur et c'était celui-là. Hein. On a les Mel Groove qui passent régulièrement, on a Tribal Jam qui est venu nous voir la semaine dernière. Non, non, on a un public, hein, on connaît. Bon, beaucoup de mauvais choix là sur cette porte-là. Alors que je n'ai pas suivi la voie du mélo, c'est une erreur. Oh là, oh là, je sens que ça va être... Oh non, on va pas se faire éliminer deux fois la première épreuve, ce serait pathétique. Relève-toi petit homme, cours, cours comme s'il n'y avait pas de lendemain. Très bien. Tout va bien. Comment ça 35 en lice? C'est pas la première épreuve, combien de feux? Comment ça se fait qu'il reste déjà plus que 35 personnes et qu'il y a juste eu 4, 5 éliminés? Tout ça est extrêmement confus. Le problème, c'est que j'ai mon stream deck sous le nez, donc j'ai envie de balancer des sons au pif. Mais si, à ce moment-là, je vous lance Scarlet Whisper, ça n'a aucun sens. Donc on va appuyer là-dessus. Merci. Donc... Parce que j'ai le truc des sons ouverts, et du coup, j'ai un peu de touche, et j'ai envie d'appuyer pour que ça fasse du bruit. Voilà. Parce que j'ai des problèmes mentaux. Donc... Alors, ah mais ces gens qui exploitent des raccourcis et des tactiques de... Non mais ça c'est pas le jeu vidéo que j'ai envie de défendre moi. Moi ce que j'ai envie de défendre c'est un jeu vidéo d'égalité. C'est pas un jeu vidéo de dénonciation là. C'est pas ce jeu vidéo Macrono le péniste de moi que j'ai envie de défendre. Oui mais alors non, ça du coup pas. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire chier éventuellement? Hein? Ou est-ce que c'est trop vous demander d'arrêter de casser les couilles? Pardon, excusez-moi, j'ai promis que je ne perdrais pas patience. J'en suis sincèrement désolé. Non! Non! Pas
Pardon. Salut Huriette, bonjour. Non. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Pour l'amour du ciel, pas comme ça. Bon. Je vais me faire mal à la main. Excusez-moi, deux secondes. Time out. Je viens de faire... voilà, non. Comment j'ai pu faire une connerie pareille? Alors que je sais qu'il fallait pas la faire, celle-là. Comment j'ai pu faire une connerie pareille? C'est un plaisir, en tout cas, de te lire. Nous, on est super pour les lurkers. Hein. Lurkers représentent ici. Si vous voulez vous installer dans le fond avec un petit thé, vous poser, mettre le stream en fond pendant que vous jouez à d'autres trucs, etc., c'est open. J'aime les gens qui parlent dans le chat. Attention, je ne suis pas en train de dire que je vous aime moins que les autres. Les gens qui parlent dans le chat, vous êtes nécessaires. Parce que s'il n'y avait pas des gens qui parlaient dans le chat, ben, je ne streamerais pas. Mais, à partir du moment où on a notre petit... on a notre petit cœur crémeux qui réagit régulièrement, si vous préférez être dans le fond en train de jouer les lurkaz, grand bien vous en fasse. Ah là, le skip. Le skip toujours garanti. Le skip machine. Ok. Voilà. Là, il suffisait de ne pas cligner de l'œil, ça c'est le plus important. Parce que si tu clignes, tu es mort. Et or, j'ai choisi la vie. On va essayer de ne pas faire la même connerie qu'on a fait les 14 dernières fois. Ok, on temporise. Non ! Qu'est-ce que j'ai dit sur la connerie qu'on a fait les 14 dernières fois ? Qu'est-ce que j'ai dit juste avant ? Putain. Ok. Ok, là, je suis en train de perdre ma patience, en fait. Là, je fais des conneries que normalement, je ne fais pas. Mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi je saute, là ? Alors qu'il suffirait de ne pas sauter pour ne pas faire cette connerie. Ok, tout va bien. Voilà. Il suffit juste que j'interrompe le mouvement pendant quelques dixièmes de seconde, et subitement la vie est une fête. Donc, ensuite... Non ! Ah, j'ai encore fait la même connerie. J'ai encore fait la même connerie ! Ok. Tout va bien, ça devrait passer. On est large. On est large. Tout va bien, voilà. Vous pourriez sentir une légère frustration au fur et à mesure que ce stream avance, mais c'est faux. Il n'y a aucune frustration. Là, je suis, regardez-moi, je suis lounge. Là, je suis dans une ambiance extrêmement cool, moi. C'est le cool lounge Kenshi stream ici, vous savez. Le Cool Lounge Kenshi stream, c'est une ambiance de détente, c'est une ambiance love. Sexy. Your smile can't describe the love. Ok. Bon. j'ai jamais fait cette épreuve. Je crois qu'il y a un mec maudit qui commence de chaque côté et qui doit maudire tous ses petits camarades. De l'équipe d'en face, hein, s'entend bien. Ah, mais le problème, c'est que partir par là, c'est un piège à con. Oui, non, mais c'est bien. Attends, tu sais quoi? Je vais faire la même. C'est super intelligent, ce que tu fais. Voilà. Là, t'es content? Tu t'amuses bien? Voilà. Tu sais quoi? T'as l'air de bien t'amuser. Merde. C'est pas grave. Quel con. Quel con. Ok, c'est bon, il est converti, lui? Oui, très bien. Ok, merci. Toi aussi. Non, mais restez bien là. Faites un goulot d'étranglement, c'est une super bonne idée. Voilà. Je sais pas combien j'en ai converti, mais j'ai fait mon boulot, moi, en tout cas. Hein, ça, c'est clair. Qui est pas converti encore dans l'équipe des Bleus? Il y en a deux. Ah! Tout va bien. Et j'ai un petit rayon de soleil en pleine gueule, là, ça donne un effet. Oh la vache! Pour une fois que ça tourne bien.
Pour une fois que ça tourne bien, cette affaire. Il y a eu un joli massacre, là. Faites deux blocs, ok. Allez, on finit encore celle-là, et puis après, je vais aller dîner, personnellement. J'espère que je pourrai jouer avec des amis au courant de la semaine, peut-être. Ce serait cool si on pouvait faire un truc avec Jules, ou avec Damdam, ou avec Killsweat, d'ailleurs. J'ai jamais joué à Fall Guy en multi de ma vie, pour l'instant. Non, tu fais chier, là, Kevin, par contre. Je sais que tu es en recherche maximale d'affection. Moi-même, j'ai été dans cette position à une époque, hein. Je cherchais le contact à tout prix. J'ai fait des erreurs, je connais ta situation. Mais il va falloir que tu arrêtes maintenant. Voilà, je ne suis pas cet homme qui cherche... Mais vous allez vraiment être casse-couille. Toi, non seulement tu... Oh merde. Ok, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir dans les grandes largeurs. J'ai perdu le focus et la punition était immédiate. Tu te concentres... Ok, d'accord. Non, on va encore en faire une. Merde. On se barre pas comme ça. Pas là-dessus. Non, mais j'étais en train d'attraper les gens et j'ai pas fait gaffe à ce qui se passe autour. Après, ce qui me rassure, c'est qu'il est mort aussi, du coup. Mais, néanmoins. Néanmoins, c'est pas juste. Ah oui, non, le Homerd était total. Le Homerd était sincère. Le Homerd était pas comme ça, Zinedine, clairement. Allez, on fait une dernière. Bah voilà, on l'avait même pas encore vu celle-là. Il me semble. Si, on l'avait peut-être vu au début. Non, est-ce qu'on l'a vu celle-là? Depuis le début du stream. J'ai un doute. On l'a peut-être vu une fois. On l'a sans doute vu une fois. Bon. Et en complet. Bon, 43 qualifiés. Ça devrait aller, sachant qu'on en a déjà deux qui sont. Ah, c'est pas grave. On est allé le plus loin possible. Sachant qu'on en a deux qui sont AFK, ça devrait déjà réduire un peu le pool. Ça se dirige de quel côté? Ça se dirige par là. Parce que le truc, c'est que là, il faut que vous vous mettiez absolument du côté où tout le monde pousse pour avancer le plus rapidement possible. Sinon, ça se termine mal. Donc là, on est revenu à peu près dans le pack de tête. Alors, ça a failli mal se passer. Oh merde, ça c'est grave par contre. Je suis trop impatient, je sais pas pourquoi. Normalement, je suis le pro de temporiser pour ce genre de conneries. Et là, j'essaye de bourriner, ça se passe toujours mal. Tout va bien. Non, tout va bien. On était large. Je suis pas du tout qualifié 43e sur 43e. Arrêtez de dire ce genre de choses-là. Qu'est-ce que vous dites 43 sur 43? Pas du tout, voyons. J'ai chaud d'un coup, là. Attendez, là, pas du tout, non, j'étais une confiance totale, non, ça s'est bien passé. Bon. Ah oui, bon, bah ça avait bien marché tout à l'heure, il y a donc aucune chance que ça marche bien cette fois. Mais qu'est-ce que vous faites des épreuves collectives alors qu'on est encore 43, quoi, je veux dire. Ah, il y a le type qui va nous me dire qui est juste là. Très bien. On va donc partir par là. Salut les gens. Salut. Salut, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Le mec qui est censé me dire les gens ne bougent pas de notre côté. Le mec qui est censé me dire les gens ne bougent pas. I repeat. The motherfucker we supposed to maudit the guys doesn't move. Futtermir d'aspect. C'est de l'allemand. Ça veut dire Stéphane est cher. Mais il veut essayer de me convertir moi, ce con. Mais t'as rien compris, bordel. Where you drop on the soul as a baby. Je suis dans ton équipe, Kevin. Ok. Je vais passer par là. Voilà.
Grâce à cette superbe stratégie... Non, ok. Ma stratégie a raté. Bon, d'accord. C'est le vieux casu. J'avais une stratégie parfaite, en fait. C'est juste que le reste de mon équipe n'a pas appliqué. Bon, il est quelle heure, là? 20h12. Ah, ouais. Je vais encore en faire une. Ah. Non, et terminer la deuxième épreuve, ça se fait pas pour terminer le stream proprement. Quoi. C'est pas... Puis ça fait que 1h59 et j'ai dit que j'arrêtais au bout de 2h. Voilà, on en fait une dernière parce que j'ai dit que j'arrêtais au bout de 2h. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas marqué. Bon, maintenant il y a marqué 2h02. Alors qu'il y a 10 secondes, il y a marqué 1h59. Bon, voilà, on y est presque. Allez, les portes. Allez, les portes. Les portes, ça va, les portes, normalement, on est dans la maîtrise sur les portes. C'est pas un jeu de hasard, les portes, au moins, c'est vraiment que du skill. Mais non, je vais pas me faire taper à l'antenne. Non, c'est faux, elle ne me tapera pas. J'ai failli dire, mieux vaut que je dise qu'elle me tape pas, sinon elle va me taper, mais elle va le prendre mal. Non, elle ne me tapera pas, elle ne m'a jamais maltraité. Mais laissez-moi passer, c'est ma porte, bordel! Soyez dans le respect un minimum, sois poli, c'était pas joli, quoi. Voilà, on va passer là-dessus, hop. Oui, c'était clairement celle-là, c'était celle-là tous les jours. Allez-y, vous prenez trois portes, et moi je prends celle qui s'ouvre, voilà. Raté, c'était celle du milieu, très bien. Aïe, 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 non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais pourquoi je suis dans l'arrière du pack subitement là? Ok, tout va bien. Enfin, tout va bien, pas trop, mais si, on est bon. On est bon? On est bon? On est bon. Tu as bien raison. Salut Red Bear. Tu as bien raison, Tempête. Après cette partie-là, je vais aller me sustenter aussi. Il est temps. Déjà, j'ai plus d'eau et je crève de chaud, donc de toute façon, il sera temps de faire un arrêt pour ce soir. Et normalement, la suite du programme, c'est qu'on se retrouvera vendredi soir pour Horizon Zero Dawn, à moins que Zoom, Demdem ou qui que ce soit me propose un petit featuring, et auquel cas, on se fera une petite soirée. Mais sinon, ce sera Horizon Zero Dawn. Et dimanche matin, on va faire du Cooking Simulator, sans doute. Et peut-être que je vous montrerai un jeu que j'ai très très envie de vous montrer en stream, qui s'appelle Rebel Galaxy Outlaw, qui est vraiment très chouette. Et peut-être que ça sera pas votre kiff, donc j'essaierai un peu de le mettre entre différents autres trucs qui sont peut-être plus quelque chose que vous allez apprécier. Mais j'ai juste envie de vous montrer un petit peu, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup ces derniers temps. Voilà, on verra. Bon. Je l'attrape par la queue, je le montre à ces messieurs. Est-ce qu'il y en a un qui a une queue là-dedans? Non, personne. Très bien. J'ai envie d'attraper la queue de Woody. Voilà, ça c'est à moi. Bonne journée. Donc... Dans ma tête, ça se passait bien. Dites le reste de mon équipe, on peut éventuellement commencer à en branler une. Ok, très bien. On va passer par là, du coup. Je connais un raccourci. Ok, on va passer par là, alors je connais un raccourci. Il y a des gens qui sont... Oui, il y a des gens par là-haut. Il y a des gens qui peuvent poser un problème à très court terme. D'accord. Heureusement, ils ne le feront pas. Non, non, non. Ouais, demi-tour. Merde. Pourquoi j'essaye de passer contre le vent? Alors que Garou et Célébion m'ont déjà donné la réponse à ce problème épineux. Ok. Vous savez quoi? Je vais passer par là, parce que vous n'êtes pas sympa, là. Je
Je sens que vous êtes dans un esprit d'agression sur cette plateforme. Et ça ne me va pas. Aïe. Mais non! Mais non, 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 pas comme ça. Pas après toute la partie avoir fait le taf, voilà. Hein, ça, c'est hors de question. C'est même pas négociable. Après avoir passé toute la partie, avoir fait le taf, à 2 secondes du bol de sangria, tu ne me voles pas ma queue. Donc là, les rouges, vous dégagez. Allez, je veux plus vous voir. Hors de question. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la version PC niveau graphique et tout, s'ils ont amélioré encore un petit peu les choses pour un jeu qui était déjà très très beau, soit en passant. Mais je suis un peu curieux. Je suis curieux de savoir si Ghost of Tsushima va finir par sortir sur PC aussi. Ce serait cool. Mais c'était déjà sublime, oui, surtout sur PS4 Pro, là, il envoie un sérieux pâté. Après, s'ils l'ont encore un petit peu peaufiné comme ils l'ont fait pour Death Stranding, ça pourrait être vraiment chouette. Alors, pommes, cerises, oui, bon, bon. Des pommes par ici, des cerises par là, c'est simple. C'est bavec. Est-ce qu'il est crossplay, le jeu? Il va l'être, mais je crois pas qu'il l'est encore à l'heure actuelle. Cerise. Ok, cerise, banane, pomme, cerise... Ah, pastèque. A new challenger has entered. Ok. Alors, pastèque, banane, pomme, cerise. Ok. Pastèque, banane, pomme, cerise. Hop. Allez, facile. Ensuite. Orange, pomme. Orange, cerise, raisin, pomme. Donc banane, orange, cerise, raisin, pomme. Ok. Banane, orange, cerise, raisin, pomme. D'accord. Hop, là-bas au fond. Non, pas du tout. Si, bah là-bas au fond. Hein. Oui. Suicide collectif. Magnifique. Ça fait le ménage. Top 26. On n'est pas encore dans le dernier tiers. Il faut qu'on atteigne au moins le dernier tiers pour la dernière partie. Si on fait un petit top 20 plus, au moins un top 10, ça serait pas mal. Salut Renzo. Bonjour à toi. Ah, mais ça n'arrivera pas parce qu'on est sur une des pires épreuves de merde. Très bien. Quelque part, je trouve cette épreuve plus random que les... cette épreuve plus random que les portes. Ok, on va essayer de choper les œufs qui se barrent. Et on va essayer de se fixer sur faire ça, en fait, plutôt que d'aller chercher chez les autres. On va essayer de récupérer ceux qui se barrent, et on va essayer de faire ça. Hop là. Hop là. Alors, est-ce qu'il y a des œufs qui se barrent dans l'un de jeux? Là, il y en a un. Hop. Bon, je suis en train de m'occuper, Kevin. Tu peux me lâcher, je gère cette situation. Il y a un qui se balade, il faut qu'on aille en chercher un du coup. Non, on peut empêcher lui de le ramener. Voilà, comme ça, ça en rebute deux par là. On récupère celui-là et let's go. Très bien. Ah, non, hop,
Non mais c'est bon, je prends celui-là, tu prends l'autre. Là. Ok, très bien. Après, je l'ai fini aussi, hein, Tempête. Je l'avais fini sur PS4. C'est juste que la version PC, on m'en a envoyé un... Enfin, on va normalement m'en envoyer un code gratuitement. Et du coup, on verra ce que ça donne. Normalement, c'était avec l'ordi que j'ai acheté, je devais avoir un code du jeu. On verra bien si je le reçois du coup proche de la sortie, en espérant que je le reçois du coup le jour de la sortie. Si je le reçois un peu après, tant pis. Si je le reçois bien le jour de la sortie, ce sera cool de le faire ensemble. Mais oui, je l'avais déjà... Enfin, je l'avais pas fini, mais j'étais arrivé très très près de la fin. Et je l'avais pas fini pour la bonne et simple raison que j'ai passé du temps à faire absolument tout le contenu additionnel. J'ai cherché toutes les armes, toutes les armures, tous les tasses, tous les textes qui avaient planqué, les codecs, les trucs, les machins, j'ai tout fait. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on va arriver à s'en tirer à peu près correctement? Là, ça a l'air d'être un couloir à peu près tranquille pour l'instant. Ça va plus l'être très longtemps. Non. Bon, au moins on va finir sur une finale. Est-ce qu'on va finir sur une finale remportée ou pas? Non, hein, clairement pas. Là, vu les deux trucs que je viens de me prendre dans la gueule, c'est déjà fini. Mais au moins on termine sur une finale. Oui, les mecs ils sont déjà en haut, il y a déjà un qui est sur la couronne. Non, ils sont tous plantés. Ah, bon, c'est pas grave. J'ai pas fait le DLC non plus encore. Bon, au moins on termine sur une finale. Ça, c'est pas dégueulasse. Ça, on accepte. C'est un résultat acceptable.